Ça tourne. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron, mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est un poème de Gérard de Nerval qui s'appelle El Desdichado et qui est mon poème préféré. Parce qu'il est énigmatique, et qu'il est le cri de l'âme d'un homme qui va se suicider quelques jours plus tard, et qu'il est une sorte de testament, mais un testament qui reste une énigme. Alors je continue de me répéter cette énigme pour essayer de comprendre sa souffrance et pour être avec lui à travers ses mots. Je pense que c'est vrai de toutes les grandes œuvres d'art. Ce sont des grandes énigmes, ce sont d'abord des énigmes, mais ce sont des énigmes qui nous ramènent à l'énigme que nous sommes pour nous-mêmes. Donc c'est des énigmes qui ne sont pas énigmatiques, justement, c'est des énigmes qui nous disent que l'homme est une énigme.